Hey tout le monde, c'est Marshmallow LPS. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo parce que j'ai acheté 3 boîtes de Playmobil et j'avais envie de faire un unboxing avec vous. Donc je vous avais montré les 3 boîtes dans un haul, le haul du mois de juin. Donc normalement il est déjà posté au moment où je poste celle-ci. Donc normalement vous avez vu les boîtes et je vous avais dit que je comptais en faire un unboxing. Et bah c'est chose faite, je vous présente les boîtes si jamais vous n'avez pas vu la vidéo précédente. Et sur ce, je vais pas plus parler et on va commencer tout de suite. On va commencer avec cette boîte là. Donc voilà tous les petits accessoires. Donc le panneau, j'ai pas besoin de regarder la notice, je pense pas, ça va là. Tiens, il y a deux casques. Je viens de regarder à l'arrière de la boîte, normalement il n'y a qu'un casque. Donc je pense qu'ils en ont mis un en plus. Donc là il y a la petite montre qui est coincée. Et voilà pour la petite montre. Donc vraiment le fait qu'il y ait deux casques, je pense qu'il y a un défaut dans les boîtes, ils en ont mis un ou trop. Et donc là on voit bien de toute façon qu'il n'y a qu'un seul casque, donc ils m'en ont mis deux, bah tant mieux. C'est gentil hein, ils sont gentils, j'avais pas de casque avec mon premier vélo, donc au moins ça m'en fait un. Donc pour le vélo c'est facile à monter, il suffit juste de mettre dans les petits trous. Première roue, j'ai failli oublier le guidon hein. En plus je suis arrivée là au niveau de là pour mettre la roue et là je me suis dit il y a un problème, bah évidemment il manque le guidon. Et voilà le guidon, il est enfin monté, donc ça m'a pincé le doigt cette merde. Et voilà, donc on a le petit vélo et en dessous il y a le pied, voilà. Donc moi mon ancien vélo il était bleu, donc là ça m'en fait une autre teinte. On a une petite marmotte juste là, elle est trop mignonne. Il y a encore le sac à monter, donc c'est super simple, hein. Vous avez juste à faire ça. Et il y a deux montres, mais oui en fait il y a deux montres. Je vais mettre le petit autocollant là. Voilà pour le petit panneau et je vais vous montrer l'autre boîte. Je vais pas monter avec vous encore une fois le deuxième vélo parce que ça sert à rien, mais je vais surtout voir avec vous s'il y a encore une fois un doublon de casque et de montre. Ou s'il y avait juste un seul défaut dans la boîte. Et là il n'y a qu'un seul casque déjà. Je sais pas pour la montre. Non. Donc j'ai eu de la chance parce que là du coup je me retrouve avec 3 casques, 3 montres. Ouais, donc il y avait bien un défaut dans l'autre boîte, puisque là j'ai eu qu'un seul casque, donc voilà. Donc je vais monter ça de mon côté. Du coup voilà tout ce que j'ai eu dans les deux packs, donc le double de montre et le double de casque. Et sinon tout était bien en un seul exemplaire dans chaque boîte. Et on va terminer la vidéo avec ce pack. Alors on a les petits autocollants là, j'imagine que ça va autour des produits de beauté. Le lavabo, donc ça c'est le tapis et ça c'est la checklist. On va essayer de monter ça sans la notice. Normalement hein, c'est pas bien compliqué je pense à monter. Déjà ça va dans le tiroir. Donc le petit tiroir qui s'ouvre et qui se ferme, ça c'est bien. L'évier, je pense qu'il n'y a qu'un seul sens. Enfin le lavabo, pas l'évier, qu'est-ce que je raconte. Voilà, le robinet. On a le Playmobil juste là. Ça c'est la tasse je pense. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah c'est les sandales. J'ai mis les petites chaussures. Enfin c'est plus des sandales mais bref. Donc il y avait le bouchon qui était resté dans le sac, je comprenais pas à quoi ça servait. Donc c'est pas du tout une tasse. Bon du coup finalement on a eu besoin de la notice. Hein. Et maintenant on va mettre les autocollants, donc pareil hein, j'ai regardé sur la notice. Donc voilà pour le petit pot. Et voilà pour le tube, donc je pense que j'ai mal mis l'autocollant, quoique non. Non c'est bien mis, j'ai rien dit. Et juste là bah, la petite brosse, je sais plus si je l'avais dit, donc voilà. Et du coup pour les LPS c'est la taille parfaite. C'est génial, je suis trop contente. Donc bah voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, bah, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, puis de mettre un petit like avant de partir, ça fait toujours plaisir. Et en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces packs de Playmobil. Donc bah, moi sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, et bisous tout le monde.